BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Business Quiz. Alors s'il y a vraiment un jour où il faut jouer en direct sur BFM Business, c'est aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 13 juillet. Vendredi 13, c'est un jour important pour les joueurs. Beaucoup de gains supplémentaires et surtout beaucoup de mises supplémentaires, notamment dans tous les jeux de la Française des Jeux. Alors nous, les gains sont les mêmes. Ils sont de 1000 euros, 2 x 500 euros, donc répartis en deux manches. Mais aujourd'hui, j'espère que vous êtes très nombreux. J'aperçois le score qui est en train d'augmenter. Plusieurs dizaines de candidats donc en ligne et en direct pour ce Business Quiz du vendredi 13 juillet, à la veille de deux grands événements. Demain, comme chaque 14 juillet, ça ne bougera jamais, c'est la fête nationale. Et dimanche, bien sûr, on espère une autre fête nationale, celle de l'équipe de France de football en finale face à la Croatie. Alors comme tous les jours depuis maintenant donc un mois, vous connaissez le principe du Business Quiz. On est en direct, vous nous suivez bien sûr à la radio, à la télévision, sur Internet. Et pour jouer, il y a les applis de BFM Business et les applis de BizOne pour tout vous expliquer sur le fonctionnement de ce jeu, sur comment accéder à la partie. Vous avez des badges d'accès donc à ces parties, coût maximum 1,09€, et le jeu, je le répète souvent, en vaut la chandelle puisque vous pouvez gagner 500 euros par manche, 10 gagnants à 50 euros donc au cours de chaque quart d'heure jusqu'à 15h30, donc deux quiz comme chaque jour. Et bien tout de suite, voici la première série de questions. On va commencer par une question d'ailleurs assez légère et assez ludique. Cette question, la voici. Gad Elmaleh et Olivier Barou ont créé un sketch, mais qui s'appelle comment ? Qui veut gagner de l'argent liquide, de l'argent sur le net, de l'argent en masse ou de l'argent honnêtement ? Comment s'appelle ce sketch donc d'il y a quelques années déjà ? Une parodie de Qui veut gagner des millions ? C'est Qui veut gagner de l'argent liquide, sur le net, en masse ou honnêtement ? La bonne réponse, elle va s'afficher sur vos différents écrans. C'est Qui veut gagner de l'argent en masse ? Alors c'était dans une émission qui s'appelait Samedi soir en direct, diffusé je crois à la fois sur Comédie et peut-être même sur Canal+, une parodie bien sûr de l'émission de Jean-Pierre Foucault Qui veut gagner des millions. Il y avait Gad Elmaleh dans le rôle de Marcel et Olivier Barou dans le rôle de Guy Saint-Hilaire. Alors la question, c'était pas c'est votre dernier mot, mais c'est votre ultime bafouille. Et les jokers s'appelaient cette fois-ci Coup de bigot à une proximité, L'avis de l'audience, Le moite-moite et même Le super moite-moite. Voilà donc pour commencer ce quiz, une question assez légère sur l'environnement global et assez lointain quand même de l'économie. Les statistiques, 78% d'entre vous ont bien répondu, donc qui veut gagner de l'argent en masse. Quelques personnes ont répondu honnêtement. C'est pas facile toujours dans un jeu de gagner de l'argent honnêtement, mais c'est le cas sur Business Quiz. Et parmi les bonnes réponses, il y a Inès. Donc pour cette première question un peu mise en bouche, la deuxième est plus compliquée, d'autant plus qu'il y a un petit piège. Écoutez bien l'intitulé de la question. Quelle a été la hausse du prix du paquet de cigarettes en mars 2018, donc il y a quelques mois, la hausse moyenne il y a quelques mois en mars 2018 du prix du paquet de cigarettes en France. 20 centimes, 50 centimes, 1 euro ou 1,50 euro. Vous votez et le résultat va apparaître dans un instant. Il s'agit de 1 euro, voilà, parce qu'il y a eu une hausse il y a quelques jours, début juillet, d'environ 20 à 30 centimes, mais sur uniquement les paquets les moins chers. Là, on parlait bien de la hausse du mois de mars 2018 qui a concerné la plupart des paquets. La plupart désormais sont donc autour de 8 euros. En 2019, il y aura deux hausses, une première en avril de plus 50 centimes, une autre en novembre de plus 50 centimes. 2019, donc ce sera environ 9 euros le paquet de cigarettes en France, en moyenne bien sûr. Et l'objectif, c'est d'atteindre le seuil, la barre des 10 euros le paquet, ce sera pour 2020. C'est bien sûr dans le cadre de la politique de santé. Alors je vous le disais, il y avait des pièges et en effet, seuls 36% d'entre vous ont bien répondu à cette deuxième question. Exactement le même nombre de votants pour 50 centimes d'euros. 18% ont opté pour 20 centimes et 10% pour 1,50€. Donc seulement un tiers de bonnes réponses. Il fallait bien écouter et bien lire l'intitulé de cette question. C'est ce qu'a fait Thomas parmi les bonnes réponses. La question numéro 3, la voici. De quel domaine artistique la SACEM collecte-t-elle les droits ? Est-ce dans le domaine du cinéma, de la musique, de la littérature ou des arts graphiques ? La SACEM, c'est le cinéma, la musique, la littérature ou les arts graphiques ? Vos réponses et surtout la bonne réponse, la voici. Elle s'affiche. C'est bien sûr la musique.
puisque SACEM, c'est un acronyme qui veut dire Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Alors, c'est une société civile à but non lucratif qui a été créée en 1851. Son modèle économique est celui d'une coopérative et qui a pour mission de collecter les droits d'auteur en France et de les redistribuer aux créateurs français et du monde entier. 1221 millions d'œuvres en France et dans le monde et pratiquement 1 milliard d'euros de droits à collecter. Et plus de 80% de ces droits sont bien sûr reversés à ce qu'on appelle par définition les ayants droit. Donc c'était bien la musique. On jette un œil sur les statistiques de cette troisième question, très largement. À 88%, vous avez bien répondu, donc il s'agissait de la musique, c'est le M du mot SACEM. 10% de réponses pour le cinéma tout de même et 2% pour les arts graphiques. Et parmi les bonnes réponses, on retrouve Hortensia, qui est une fidèle candidate du Business Quiz. Bravo à elle et bravo à tous les autres qui ont bien répondu. La question numéro 4 concerne les vacances. C'est pour certains d'entre vous une réalité, d'autres c'est dans quelques jours ou dans quelques semaines. Alors quel pourcentage d'entrepreneurs va peu ou pas regarder sa boîte mail pendant les vacances? Peu ou pas regarder. 8% d'entrepreneurs, 18%, 28% ou 38%. Pour voter pour cette question issue d'une enquête réalisée par le cabinet d'expertise comptable WITI avec l'agence d'intérim CAPA. Et la bonne réponse, la voici, donc 8% simplement des entrepreneurs en France va peu ou pas regarder sa boîte mail en vacances. Une majorité des entrepreneurs, 45%, donc va la consulter au moins une fois par jour. Pour ce qui est du téléphone, en revanche, les entrepreneurs déclarent qu'ils savent prendre de la distance puisqu'ils sont 53% à ne pas du tout appeler leurs équipes pendant les vacances. Seuls 2% les appellent 2 à 3 fois par jour tout de même et 17% les appellent au moins une fois par jour. Sachez également que les entrepreneurs vont partir en vacances à une large majorité, 89% d'entre eux, et ils sont plutôt des Aoussiens, les deux tiers, et 62% vont même s'offrir 2 à 3 semaines de congé. Donc, bonnes vacances à cette catégorie d'entrepreneurs qui nous écoutent et nous regardent très fidèlement sur BFM Business. Alors, les statistiques, évidemment, c'est pas facile de trouver le bon chiffre des entrepreneurs qui regardent peu leur boîte mail. 29% seulement de bonnes réponses, c'est très éclaté. Le même pourcentage pratiquement pour la réponse numéro 2 et numéro 3. Donc là aussi une question pas facile et qui a sans doute fait un peu de dégâts parmi les candidats. Mais il y a Xav Insa, lui aussi un fidèle de notre quiz, qui vient de trouver la bonne réponse. La question numéro 5, la voici. À quel groupe appartient le quotidien Les Échos? Est-ce le groupe Dassault? Est-ce le groupe M6? Est-ce le groupe LVMH? Ou est-ce le groupe Bayard Presse? À qui appartient Les Échos? Vous votez actuellement. Et la bonne réponse, elle va apparaître sur vos différents écrans. La bonne réponse, c'est le groupe LVMH. Alors, Les Échos, c'est un très vieux quotidien français, né en 1908. Il a été fondé par les frères Servan-Schreiber, Robert et Émile, sous le nom original des Échos de l'exportation. 20 ans plus tard, donc, en fait, c'était un mensuel à sa création. Ce mensuel devient un quotidien et prend le nom des Échos. Et c'est l'unique quotidien imprimé en France, spécialisé dans l'actualité des affaires. Le groupe LVMH, qui, dans son pôle presse, compte également le Parisien, et le Parisien comme les Échos, qui sont installés depuis quelques mois maintenant. Maintenant, dans le 15e arrondissement de Paris, du côté de Bir Hakeim. Les statistiques sur cette cinquième question, LVMH 62%, 20% d'entre vous pensez au groupe Dassault. Non, le groupe Dassault possède notamment le Figaro. M6 n'a pas de grand titre économique de presse. Et Bayard Presse, on n'est pas du tout dans le monde économique. Donc, 62% de bonnes réponses. Et parmi elles, donc, c'est Xav Insa. On passe à la question numéro 6 de ce premier quiz. Quel est le coût estimé des travaux de rénovation du palace parisien, le Lutetia, qui vient de rouvrir après 4 ans de travaux? 100 millions d'euros de travaux, 200 millions, 300 millions ou 400 millions? Vous votez sur ce coût estimé des travaux au Lutetia. La bonne réponse, elle s'affiche à l'instant. Il s'agit de 200 millions d'euros. C'est une estimation parce qu'on n'a pas vraiment sous la main les devis définitifs, mais en tout cas, c'est ce que annonce la presse. Hier, le 12 juillet, l'hôtel emblématique de la rive gauche a rouvert ses portes au public après plus de 4 ans de travaux. Il a fallu ça pour rénover de fond en comble cet immeuble imposant construit en 1910. Alors évidemment, tout cela va monter en gamme encore plus parce que c'était déjà un très bel hôtel. Il a déjà 5 étoiles. Il va y avoir de nouveaux services. Les nuitées, ça va coûter, tenez-vous bien,
de 800 euros en moyenne jusqu'à 20 000 euros la suite pour une seule nuit. Je dis bien 20 000 euros. L'objectif, donc, c'est de monter encore en gamme et d'obtenir ce label Palace que l'hôtel n'a pas encore officiellement. Un hôtel qui, vous le savez peut-être, a eu quelques difficultés pendant la guerre. On l'a soupçonné de faire venir des gens, entre guillemets, pas très fréquentables, en tout cas en ces années de guerre. 46% de bonnes réponses sur le coût estimé des travaux du Lutetia qui vient de rouvrir ses portes. Et le reste éclaté, 300 millions, 30% tout de même. Et parmi les bonnes réponses, il y a Nantes qui a trouvé donc ce chiffre de 200 millions d'euros. Après la sixième, voici la septième question, dernière question de cette première manche. Question très intéressante, beaucoup ne se doutent pas de la réponse. En France, une femme peut ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. Mais depuis quand? Depuis 1958, 1960, 63 ou 1965. Depuis quand une femme peut ouvrir toute seule en indépendance un compte bancaire sans l'accord de son mari? Eh bien, la bonne réponse est très surprenante. C'est, elle apparaît à l'écran. C'est 1965. En effet, ce n'est que le 13 juillet 65, donc sous la présidence de Charles de Gaulle, que le Parlement a voté une loi qui accorde ce droit d'ouvrir un compte en banque et de travailler même sans le consentement de son mari, puisqu'à cette époque, les femmes en couple étaient complètement dépendantes de leur époux. L'autorisation maritale était donc nécessaire pour ouvrir un compte. C'est un peu fou quand même, il y a un peu plus de 50 ans seulement. Donc il fallait l'autorisation de son mari et pour travailler et pour détenir un compte bancaire. Évidemment, tout cela et fort heureusement, a bien changé. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut à l'heure actuelle. On regarde les statistiques sur cette septième et dernière question. Eh bien, majoritairement, très majoritairement, trois quarts de bonnes réponses, précisément 73% de bonnes réponses pour 65, 13% daté cette évolution sociétale en 58, 6% en 1960 et 8% en 63. Mais c'est donc bien en 65, il y a 53 ans seulement, que les femmes ont le droit toutes seules d'ouvrir un compte bancaire et surtout de travailler sans l'accord de leur mari. Parmi les bonnes réponses, il y a FFX et sa jolie photo de profil avec un panda qui a trouvé donc la réponse à cette question numéro 7. Cette première manche est désormais terminée, donc je vous propose évidemment, comme à chaque fois, de regarder un peu qui a gagné. Il y a Xavinsa qui est en tête, qui gagne 50 euros, tout comme Inès, tout comme Cédric, tout comme Quentin, Benoît, Seb03, Laurie, Hélène, Hansel et Grégory. Voilà donc tous les 10. Vous venez de remporter à l'instant, en ce vendredi 13 juillet, la somme de 50 euros. Il y aura la même somme, 10 fois 50 euros, donc 500 euros, en jeu dans quelques instants. Ce sera alors la deuxième manche de ce Business Quiz. A tout de suite. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans 2 minutes. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com. Ce week-end, sur BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre sélectionne le meilleur de l'écho en livres. Vous aimez les livres, vous aimez les débats économiques, alors rendez-vous chaque semaine dans la librairie de l'écho. Avec les auteurs qui font l'actualité, avec nos critiques qui vous livrent leur coup de cœur et leur coup de gueule, avec nos chroniqueurs qui vous offrent le meilleur de la littérature du passé et le meilleur de la littérature étrangère. Bref, la librairie de l'écho, c'est l'émission qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. La librairie de l'écho, tous les vendredis à 21h, samedi à 20h et dimanche à 13h sur BFM Business. Retrouvez BFM Business à la télévision sur vos box fibres ou ADSL. Chez SFR sur le canal 46. Chez Orange sur le canal 228. Chez Free sur le canal 347. Chez Bouygues Télécom sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNTSAT, FranceSat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur bfmbusiness.com ou via l'application BFM Business. Découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur bfmbusiness.com. bfmbusiness.com. BFM Business, la télévision de l'info économique et financière.
Ce week-end sur BFM Business, le magazine de la transformation numérique, 01 Business Forum Lebdo. Frédéric Simotel interroge les dirigeants sur la transformation digitale de leurs entreprises. Experts et chroniqueurs décryptent les recettes pour faire du digital un nouvel axe de croissance pour le business. Technologie, tendance, usage, 01 Business Forum Lebdo, l'émission qui vous accompagne pour réussir votre transition numérique. 01 Business Forum Lebdo, présenté par Frédéric Simotel, tous les samedis et dimanches à 17h sur BFM Business. BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichit. Nous revoilà de retour donc sur le plateau du Business Quiz, toujours en direct à la télé, à la radio, sur le web, sur BFM Business, pour ce jeu interactif que nous vous proposons depuis la mi-juin maintenant. Tous les jours, donc entre 15h et 15h30, des questions sur l'économie, sur l'actualité, sur l'histoire de l'économie, et avec des sommes en jeu conséquentes, puisqu'il y a tous les quarts d'heure 500 euros en jeu que vous répartissez entre 10 joueurs, donc 10 fois 50 euros. Et ça, c'est donc tous les jours de 15h à 15h30. Une surprise d'ailleurs à la fin de cette émission, puisque dès la semaine prochaine, ce ne seront pas un seul business quiz, mais deux rendez-vous de business quiz que nous vous proposerons sur BFM. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, voici la deuxième manche de ce quiz du 23 juillet, du 13 juillet. Une deuxième manche, donc nous allons commencer par une question d'actualité récente sur cette question. Quelle entreprise le gouvernement veut-il privatiser ? Est-ce qu'il s'agit d'Engie, d'EDF, de FDJ Française des Jeux ou de la SNCF? Donc, quelle entreprise le gouvernement veut-il privatiser? Vous répondez à cette première question. Je vous laisse quelques secondes et on va découvrir ensemble, bien sûr, la réponse. Vous la connaissez sans doute. Elle apparaît à l'instant sur votre écran. Il s'agit de FDJ, de la Française des Jeux. Donc c'est annoncé depuis quelques jours puisque ça fait partie du projet de loi Pacte. Alors il faut savoir que c'est un secteur important, le jeu en France. Chaque année au total, l'État récupère 3,4 milliards d'euros qui sont prélevés sur les mises remportées par les joueurs. 3,4 milliards d'euros tout de même, quand on y pense bien, c'est 1% du budget de l'État. 1%, c'est pas mal, qui provient donc des jeux. Alors il y a en moyenne en 2017 26,1 millions de joueurs à la Française des Jeux en France et les mises des joueurs ont dépassé les 15 milliards l'an dernier, donc secteur stratégique. Et même si c'est privatisé, eh bien l'État conservera cette manne financière donc de plus de 3 milliards d'euros par an. Il y aura également la mise en place, la création d'une autorité indépendante de régulation pour évidemment vérifier que tout cela fonctionne bien selon les règles légales des jeux en France. Les statistiques, on les regarde rapidement. 48%, donc une bonne réponse sur deux parmi les votants pour la FDJ. 33% pensaient à la SNCF. Non, 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 pas de privatisation. Ça fait même partie des engagements du gouvernement Philippe dans les négociations qui avaient lieu ces dernières semaines dans le cadre de la réforme de l'entreprise SNCF. Et puis Engie, donc non, mais la privatisation concerne bien la FDJ. Et Pierre-Alexis fait partie des bonnes réponses à cette première question. La deuxième question, la voici. Comment nomme-t-on une prime perçue par un chef d'entreprise au moment de son limogeage, de son départ, on va dire, involontaire de ses fonctions? Est-ce qu'il s'agit du parachute doré, de la ceinture d'argent, de la rivière de diamants ou du globe de cristal? Comment donc appelle-t-on cette prime perçue par un chef d'entreprise lorsqu'il quitte ses fonctions de manière, on va dire, plus ou moins involontaire? La bonne réponse est bien sûr le parachute doré, en anglais le golden parachute, une clause contractuelle qui fixe les indemnités versées à l'intéressé lors d'une éviction, d'un remerciement, d'une fusion ou encore lors d'un départ volontaire et programmé. Il y a eu de nombreuses dérives, on a parlé de nombreuses affaires ces dernières années et le patronat français a donc édicté un code de gouvernance afin d'en limiter l'usage parce que même si elles sont tout à fait légales, ces primes de départ suscitent, vous le savez bien, de fortes polémiques au sein de l'opinion publique car on atteint des montants très très élevés. On regarde les statistiques à cette deuxième question. Parachute doré sans problème pour 97% de vous qui venez de voter à ce quiz. Seuls 2% pensaient à la ceinture d'argent et globe de cristal. Non, c'est une cérémonie qui a lieu chaque année en France pour récompenser des personnalités dans le monde, notamment de la culture. On passe à la troisième question, l'actualité vraiment chaude de la semaine. Quel site d'information médicale va être racheté par TF1? Est-ce doctissimo.fr, est-ce mondocteur.fr, allobobo.fr
ou blouseblanche.fr. Quel site d'information médicale va être racheté par TF1? Vous votez, le résultat, la bonne réponse, elle s'affiche dans un instant. C'est doctissimo.fr, puisque le groupe TF1 est en train de poursuivre, entre guillemets, ses emplettes dans le monde du digital. Après avoir finalisé le rachat du groupe auféminin.com, c'était il y a quelques mois au printemps, eh bien, la filiale du groupe Bouygues vient d'annoncer, c'était hier par communiqué, qu'elle entrait en négociation avec Lagardère, donc pour acquérir 100% de Doctissimo. Alors, c'était un site qui a été fondé en 2000, site bien connu entre autres des hypochondriacs qui veulent se rassurer ou pas d'ailleurs en allant voir des forums sur différentes maladies ou différents bobos. Et Doctissimo, selon les échos, serait valorisé près de 15 millions d'euros. Alors il y avait parmi les solutions, les suggestions de réponse, mondocteur.fr. On en a parlé hier dans le quiz avec Guillaume Paul. Mondocteur.fr, lui, qui a été racheté par un autre site pour la prise de rendez-vous médical. Et c'était donc la bonne réponse, c'était bien Doctissimo. On regarde les statistiques, 67% de bonnes réponses, 2/3 donc de bonnes réponses, et 1/3 s'est laissé piéger par l'actualité du moment, puisque mondocteur.fr, c'était l'actualité de ces derniers jours également, racheté par Doctolib. Parmi les bonnes réponses, il y a Caroline que l'on félicite pour cette bonne réponse à la question numéro 3. La 4, la voici, les critères de Maastricht. Eh bien, ils imposent de limiter le déficit public annuel des États, de l'Union, à 3%. Mais 3% de quoi? Des exportations, du budget, de la masse salariale ou du PIB? Vous votez donc sur les critères de Maastricht. 3% de quoi? Des exportations, du budget, de la masse salariale ou du PIB? Je vous laisse voter. Et la bonne réponse, évidemment, c'est du PIB, des critères établis donc lors du traité de Maastricht signé le 7 février 1992. Quand on n'est pas dans les clous de ces 3%, donc il y a une procédure pour déficit excessif qui est menée contre les États. La France a été son cas pendant de nombreuses années, mais elle vient d'en sortir, c'était au mois de mai, donc puisqu'elle a réduit son déficit, elle est repassée sous le seuil, la fameuse barre des 3% de déficit donc du PIB. Ça va un peu mieux, même si on dit qu'il y a un certain relâchement actuellement dans le budget de la France. On espère qu'on ne repassera pas au-dessus des 3%. On regarde les statistiques de cette quatrième question. 80% de bonnes réponses, il s'agissait bien du PIB. 11% ont confondu avec le budget, 7% avec la masse salariale et 2% avec les exportations. Et on félicite Cédric pour sa bonne réponse. Cédric, dont la photo de profil indique « Allez les Bleus, il a bien raison, tous derrière l'équipe de France dans 2 jours, dimanche après-midi ». On passe à la cinquième question de cette deuxième manche. Quelle diversification, attention, vient d'annoncer Uber? Chaque mot a son importance. Je dis bien quelle diversification vient d'annoncer Uber. Le gyropode, le vélo électrique, le scooter électrique ou la trottinette électrique? Je vous laisse voter sur cette cinquième question. Et la bonne réponse, elle apparaît donc dans un instant, c'est la trottinette électrique. Alors, il y avait un petit piège parce que donc le groupe Uber vient d'annoncer avoir noué un partenariat avec la société Lime dans le but de proposer de la location de trottinettes électriques. Et récemment, Uber s'était déjà lancé dans un concept tout proche, c'était la location de vélos électriques. Mais là, donc, on parlait bien d'une annonce de cette semaine et la firme donc souhaite ainsi s'imposer comme la solution idéale de mobilité. Alors, ces trottinettes électriques vont être intégrées à l'application Uber, ce qui permettra donc de les louer. Elles sont installées un peu partout dans les grandes agglomérations et elles permettent donc aux utilisateurs de les laisser où ils le souhaitent, notamment le service Lime est déjà en place en France, essentiellement dans la ville de Paris. On jette un œil aux statistiques pour cette cinquième question. Trottinette électrique, 73%. 13% sont tombés dans le piège donc du vélo électrique. C'était il y a quelques semaines, donc un peu plus ancien. Scooter électrique, 10%. Et 5% pour le gyropode. Et encore une fois, Cédric et son slogan « Allez les Bleus » fait partie des bonnes réponses de cette cinquième question du Business Quiz. La sixième, la voici. Quelles conditions est nécessaire pour bénéficier du RSA? Le revenu de solidarité active, donc avoir moins de 50 ans, ne pas être propriétaire, être français ou avoir plus de 25 ans. Quelle est la condition nécessaire pour bénéficier du RSA? Je vous laisse voter. La bonne réponse, la voici, donc c'est avoir plus de 25 ans. C'est en effet donc la clause nécessaire pour avoir le revenu de solidarité active. Il faut aussi résider en France de manière stable et effective. Il n'y a pas d'âge plafond pour bénéficier du RSA. Et toutefois, dès l'âge minimum légal de départ à la retraite, et bien d'autres prestations sont attribuées qui supplantent le RSA. Les autres conditions donc, ne sont pas suffisantes. Il ne faut pas être français. Il faut simplement résider en France de manière stable et effective. Il faut avoir moins de 50 ans. Ce n'est pas vrai. Donc, pas de plafond pour la
l'âge d'attribution du RSA. Les statistiques, 68% de bonnes réponses, 2/3 donc de bonnes réponses, notamment celle de Caroline, 22% pensaient qu'il fallait être français pour avoir le RSA. Eh bien non, ce n'est pas une condition, en tout cas rédhibitoire. Si vous n'êtes pas français, vous avez droit au RSA en France. On félicite les bonnes réponses, les gagnants. Tout de suite, tout va se jouer, tout va se départager avec la 7e et dernière question de cette deuxième manche. Question d'actualité également, quels sont les effectifs de l'administration fiscale en France? Y a-t-il environ 53 000 agents du fisc en France dans l'administration fiscale et les douanes? 103 000, 153 000 ou 203 000? Vous votez pour cette question numéro 7, la dernière de cette deuxième manche. Je vous laisse voter. La bonne réponse, c'est en effet 103 000 personnes dans les effectifs. C'est l'une des plus importantes administrations de l'État qui emploie donc plus de 100 000 agents pour un budget de près de 8 milliards d'euros annuels selon la Cour des comptes. Alors si on en parle, c'est que le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a présenté il y a deux jours au cadre de Bercy son projet pour moderniser l'administration fiscale qui s'inscrit donc dans le grand plan gouvernemental Action publique 2022. Selon les Échos, le ministre pourrait envisager 20 000 suppressions de postes dans cette administration, ce qui a été démenti par le ministre Gérald Darmanin. Évidemment, tout cela serait justifié par les perturbations, on va dire, numériques que connaît cette administration comme les autres, avec notamment la fin également de la taxe d'habitation ou encore le prélèvement à la source. Tout cela devrait faire moins de travail pour les services de Bercy, mais pour l'instant, il y a toujours 103 000 personnes qui travaillent dans cette direction. 34% de bonnes réponses, notamment celle de Pierre-Alexis, est très partagée. 36% ont pensé à 153 000 euros, mais c'était donc bien la réponse 103 000 personnes qui était la bonne réponse à cette question numéro 7. Voilà, c'est terminé. Je prends ma tablette et je regarde un petit peu le classement. Alors, 10 gagnants à 50 euros, il y a Pierre-Alexis, il y a Nantais, Seb03, Quentin, Caroline, Xavinsa, Kamel, Marco, Benoît et Euphrasie. Bravo à tous les 10, vous remportez la somme de 50 euros. Alors, je vous disais une petite surprise, puisque la semaine prochaine, ce n'est pas un business quiz, mais deux business quiz par jour que nous vous proposerons jusqu'à la fin du mois de juillet. À 14h, vous retrouverez donc Guillaume Paul pour une première édition du quiz. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les soirs du lundi au vendredi à 19h. Donc, dès la semaine prochaine, dès lundi 16 juillet, peut-être après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, eh bien, il y aura deux business quiz à suivre en direct sur BFM Business. Merci à tous pour votre fidélité. Encore une fois, très bon week-end de fête nationale et de fête du football. Et dans un instant, sur BFM Business, c'est Intégrale Bourse présenté par Grégoire Favet. À bientôt. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie, lundi à 14h. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com.